secrètes, des véhicules dingues, des monstres redoutables, des super animations. Le jeu le plus cool de la planète, Prehistoric Man sur Super Nintendo. Bienvenue dans ce grand écran numéro 3. Au sommaire ce mois-ci, les différentes manifestations qui se sont déroulées à Nœux-les-Mines au cours du mois de novembre et un sujet tout particulier sur la musique à Nœux-les-Mines. En effet, le pays minier est une terre de tradition musicale et on se souvient des grands ensembles musicaux issus des houillères, mais on va se rendre compte dans ce reportage aussi qu'il existe bon nombre d'associations qui développent la musique. Donc un avant-goût de la fête de la musique au mois de novembre. Officiellement, jeudi 9 novembre, en fin d'après-midi, les organismes Forma MJC et Amigraph ont inauguré le site sérigraphique de Forma Lille en présence de nombreux chefs d'entreprise de la région, fournisseurs, représentants de la formation professionnelle, éducation nationale, région, des DTE, ainsi qu'une délégation de la municipalité nauxoise. Après la création de Forma Nœux en 1985, sous l'impulsion de son président Jean-Pierre Lenoir et de son directeur Alain Misto, la sérigraphie allait très vite se développer et devenir la vitrine de Forma MJC. Le centre Forma MJC, présidé par Jean-Marie Dupuis, allait également se tourner avec succès vers la formation en alternance et continue. Les efforts importants en investissement matériel et humain propulsent la réputation de Forma MJC hors du bassin minier. Dans l'après-midi, on assista à un incessant va-et-vient de personnalités visitant les ateliers, où des jeunes en formation présentèrent une démonstration de leurs compétences, tirage d'un t-shirt en quatre couleurs et impression d'une quadrille. Chaque visiteur séduit se vit remettre un t-shirt commémorant l'inauguration et un exemplaire d'une quadrille masque de Venise. À l'issue de l'après-midi, un amical buffet cocktail allait rassembler tout le monde et les discussions, où la sérigraphie n'était jamais loin, se terminèrent tard dans la soirée. Le vendredi 10 novembre se déroulait à la pâture d'Entières une rencontre interscolaire d'athlétisme. Cette rencontre fut organisée par l'USEP avec la participation des écoles Pergaud et Saint-Exupéry. Les Benjamins et Poussins s'affrontèrent dans quatre disciplines. Le lancer de balle, le saut en longueur, le 50 mètres haies, et le relais 4 fois 50 mètres. Enfants étaient présents au matin et 140 l'après-midi. Encore bravo aux 4 équipes de Pergaud qui furent qualifiées pour disputer d'autres épreuves le mercredi 15 novembre à Liévin.
Les cérémonies commémoratives du 77e anniversaire de l'armistice de la guerre de 1914-1918 débutaient ce samedi dès 10h30 devant le monument aux morts érigé place Sainte-Barbe. Ponctué par l'harmonie municipale dirigée par M. Georges Fontaine, en présence de M. Jacques Vildary, maire conseiller général, entouré de son conseil municipal, des représentants des corps constitués, des associations patriotiques et des sociétés locales, le dépôt de gerbes auquel se sont associés les enfants des écoles du numéro 1, encadré par l'ensemble du corps enseignant, s'est déroulé dans le recueillement après qu'un hommage plus particulier a été rendu à Alexandre Dehesse, Marc Desseret, victime de la guerre 39-45, au pied de la plaque qui immortalise leur sacrifice dans l'enceinte de l'école Saint-Exupéry. Sous le pâle soleil d'automne, le cortège se reformait place Saint-Martin pour se rendre sous la conduite de l'harmonie jusqu'au cimetière de la ville, rejoint à l'école Pergaud par les enfants des écoles du centre. Les membres de la société de gymnastique Sokol de Nolémine et leurs amis étaient réunis ce dimanche, salle de la rue Moussy, une salle qu'ils ont eux-mêmes remise en état et dont est très fier le président M. Edmond Zipek. À la table d'honneur, on notait la présence de M. Cage, président de l'Union des Sokol, et son épouse, ainsi que celle de Mme Charline Kurzawa, présidente de la jeunesse hercinoise, accompagnée de son époux, trésorier de l'association. À l'heure de l'apéritif, les convives eurent le plaisir de recevoir la visite de M. Vildary, maire conseiller général, ainsi que celle de M. Naglik et Marteau, maires adjoints, qui tinrent à féliciter les responsables pour le bon travail qu'ils réalisent auprès des jeunes qu'ils fréquentent l'association sportive. Comme se plut à le dire M. Zipek dans ses propos de bienvenue, de tout temps les gens ont aimé se réunir loin des soucis quotidiens et passer quelques heures agréables. Nous n'avons pas les commodités des salles modernes, mais nous avons fait le maximum pour que tous vous soyez satisfaits et que vous passiez agréablement cette journée. Deux prestigieux parrains pour les étudiants du BTS Force de Vente. Se doter d'un parrain, c'est choisir un modèle. C'est aussi prendre l'engagement de tout faire pour qu'il soit fier de vous. Les étudiants de la section BTS Force de Vente du lycée d'Artois l'ont bien compris, puisque chaque année, la promotion se choisit de prestigieux mentors. Après Eric Srecki, champion olympique d'escrime, et M. De Quatrebarbe, directeur du groupe bancaire de la BNP, Catherine Lefebvre, championne du monde de speedsail, et Philippe Dupré, vice-président de l'Union patronale régionale, administrateur conseiller du groupe Auchan. Ce sont Jean-Guy Wallem, capitaine du RC Lens, et Marcel Leclerc, directeur des services généraux des établissements Leroy Merlin, qui ont été sollicités pour parrainer cette nouvelle promotion. La cérémonie qui consacrait ce choix s'est déroulée dans la salle du restaurant du lycée d'Artois, sous la présidence d'honneur de M. Saline, inspecteur d'académie. Elle s'est achevée par la signature de la charte qui consigne les engagements mutuels pris par les parrains et les filleuls avant que le capitaine du RC Lens ne se plie, avec gentillesse et beaucoup d'humour, à une très longue séance de dédicaces et signatures, chacun voulant emporter un souvenir tangible de ce grand moment dans la vie d'un étudiant, le baptême de sa promotion. Vendredi 17 novembre 1995, l'inauguration s'est déroulée en présence de 150 clients et prospects. Après avoir souhaité la bienvenue, M. Gérard Garçon, directeur d'agence, a remercié les personnes qui ont répondu à l'invitation, et particulièrement M. Vildary, maire de Nolémine, conseiller général, et M. Gire, directeur régional adjoint du Crédit du Nord. Cette rénovation s'inscrit dans le cadre d'une politique qui se veut chaque jour meilleure en termes d'accueil. Le souci majeur du Crédit du Nord est de répondre aux attentes des clients et prospects par des conseils en fonction de l'évolution de l'environnement économique, fiscal et financier. Le savoir-faire financier est reconnu par le magazine financier « Mieux vivre votre argent ». Notre ville porte en son nom la référence à un passé industriel de notre région.
Le Crédit du Nord est une banque de la région. L'exposition sur le travail à la mine permet de se remémorer certaines étapes de ce passé. Après les prises de parole de M. Garçon, Gire et Vildari, et avant de passer aux réjouissances gustatives, la chorale de mineurs polonais de Douai sous la direction d'Henri Kikos a rehaussé cette inauguration par l'interprétation de quelques chants. Les nouveaux locaux spacieux, clairs et agréables donnent un meilleur confort et permettent une plus grande confidentialité. La salle du cinéma Riline, centre municipal culturel Georges Brassens, transformée en galerie des arts, était tout illuminée ce week-end à l'occasion de la 37e exposition des Amis des Arts. En l'absence de la présidente, Madame Delemaire souffrante, Mesdames Ksakowski et Deneux, firent à M. Jacques Vildari, maire, conseiller général, et aux nombreux élus qui l'accompagnaient, les honneurs de l'exposition, présentant chaque artiste. Après avoir souhaité un prompt rétablissement à la présidente, M. le maire adressait aux artistes tous ses encouragements. Du Vélo Club Nuxois, association reconnue le 26 septembre 1966 et qui n'a subi aucune éclipse, se sont réunis salle des fêtes de Neulémine ce samedi pour leur assemblée générale annuelle. La réunion était présidée par M. Dominique Briche, président, entouré de M. Josué Scaillere, président d'honneur, M. l'intermis du comité départemental et des membres du bureau. Elle se déroulait en présence de M. Gérard Dess, conseiller délégué chargé des sports et d'une importante délégation municipale. Le Vélo Club compte une vingtaine de licenciés, 10 coureurs et 10 dirigeants et a organisé cette année 4 épreuves. Il restait au président de 2 missions bien sympathiques à remplir. D'abord remettre aux coureurs les nouvelles tenues offertes par leur sponsor, M. Verbrugueux, aux couleurs des tourterelles. Ensuite offrir au nom du club un chèque au Centre communal d'action sociale de la ville. Un geste de solidarité qui fut fort apprécié de la délégation municipale présente. L'Assemblée Générale s'achevait en toute convivialité autour du pot offert par la ville, avant que tous les participants ne se retrouvent pour le traditionnel repas de fin d'année. Dimanche, les 12 musiciens de la lyre nuxoise ont donné une représentation en l'église Saint-Martin. Quelques jours avant la date officielle, ils ont voulu rendre hommage à Sainte-Cécile. Pour cela, ils ont égayé l'office dominical avec la douce mélodie de leur accordéon. Ils ont interprété plusieurs morceaux que la chorale a repris en chœur. Au programme, la sérénade de Schubert, l'Ave Maria de Gounod, la grande sarabande de Yandel et prophétie de Rochon. Une fois la cérémonie terminée, tous se seront trouvés au siège pour l'apéritif. Le marché de Noël qui s'est déroulé les 24, 25 et 26 novembre, salle Mendès France.
Plus de 1000 visiteurs ont ainsi pu flâner entre les stands de charcuterie, pâtisserie, disques, tableaux, objets artisanaux et assister à des danses folkloriques. Une exposition sur la mine appartenant à l'association La Mine Image complétait agréablement le marché. L'organisation de cette manifestation revenait à la Via Zanca. Encore bravo aux organisateurs qui, encouragés par ce succès, penseront sûrement à renouveler l'opération. Bienvenue à tous, je cède le podium à M. Villard. Je suis très surpris, agréablement surpris, par cette manifestation et la présence qui l'a vue. Si dans les esprits de certaines personnes, le troisième âge correspond à l'automne de la vie et à l'inactivité, il n'en va pas de même pour les résidents des foyers de l'ANAPA qui envisagent cette période de la vie avec beaucoup d'entrain. Dans le courant de l'année, les résidents multiplient leur activité, comblant leur instant de loisir par mille et une animations. Des repas aux après-midi dansants, sans oublier l'incontournable exposition vente qui se déroule chaque année à quelques semaines de Noël. Ainsi, samedi et dimanche, les salons des marronniers ont accueilli l'édition 95 qui, une nouvelle fois, a révélé des trésors d'ingéniosité et de savoir-faire de nos aînés. Les nombreux visiteurs ont pu admirer la qualité des travaux réalisés par l'ensemble des résidents, ont trouvé des jouets en tissu, de la dentelle, du macramé, ainsi que de superbes réalisations sur soie, des écharpes, des coussins, mais aussi des peintures. Autant d'objets qui ont demandé de nombreuses heures de patience et de travail, et dont la valeur n'a d'égal que les souvenirs et le savoir-faire qu'ils renferment. Les adhérents de la PEP, parents d'élèves de l'enseignement public de Neuilly-les-Mines et des environs, ont tenu leur assemblée générale. Le président, M. Ptasik, remercia de leur présence M. Lefebvre, président d'honneur et fondateur de l'association neuxoise, Broutin et Delanguen, président d'honneur. M. Régnier donna le détail des comptes et rappela que cette année encore, la PEP a mis à la disposition des lycéens pas moins de 1000 collections d'ouvrages. Lors du compte-rendu des activités et de la présentation du rapport moral, M. Ptasik rappela les indices de pénétration de l'association dans les établissements concernés.
Pour les 5 ans de l'existence de la Malopolska au sein de la Maison des Jeunes et de la Culture de Nolimine, un spectacle polonais s'est déroulé au Centre culturel Georges Brassens. C'est dans une salle archi-comble que la Biazanka s'est produite. Les danses, les chants et les magnifiques habits du groupe ont créé une joyeuse ambiance de fête. Cette soirée était présidée par Madame et Monsieur Jacques Vildary, maire conseiller général, Madame et Monsieur Jerzy Drozd, consul général de la République de Pologne, et de Madame et de Monsieur Stéphane Kubiak. Tous ont contribué à faire passer 2 heures agréables à une salle conquise par ce spectacle musical et coloré. Au nom de la Malopolska, Christophe Bosny, ainsi que le consul polonais, prononcèrent une courte allocution pour souhaiter des relations toujours aussi suivies et amicales entre les deux pays. La présence de l'harmonie municipale dans les rues de Nolimine, puis dans l'église Saint-Martin, dimanche matin, était pour l'abbé Lesage porteuse d'un triple message. Une telle société a la faculté de rassembler des êtres qui mettent leur qualité au service des autres, de faire partager une même passion et de permettre de se réconcilier avec soi-même. Le calendrier fait en sorte que l'on consacre une journée particulière, prétexte à des festivités bien légitimes. C'est un peu la reconnaissance du travail accompli tout au long de l'année. Jean Caron, président de l'harmonie municipale, et Georges Fontaine, le chef de cette harmonie, en sont bien conscients, et la prestation des instrumentistes fut à la hauteur des concerts précédents.
new guy in town. He's been dragging around. Comme chaque année, les médaillés du travail se sont retrouvés ce premier dimanche de décembre pour honorer Sainte-Barbe, leur patronne. À l'issue de la messe célébrée en l'église Sainte-Barbe à l'intention de tous leurs camarades décédés, les médaillés se sont inclinés devant le monument aux morts de la place. Ils étaient accompagnés dans cette démarche par M. Jacques Vildary, maire, conseiller général, à la tête d'une importante délégation municipale. Tous se retrouvaient salle Brassens pour une cérémonie de remise de médailles et diplômes du travail. Cette réunion était dirigée par M. Foulon, président de l'Amicale des médailles, entouré de M. Paty et Grigny, président d'honneur et des membres du bureau.